histoire elle nous a vraiment attristés. C'est une histoire comme il y en a eu plein chez nous en Ile-de-France. Des petits qui meurent à cause des violences policières, qui ont peur de la police, qui se mettent à courir. Et voilà, au lieu de se demander qu'est-ce qu'ils avaient à se reprocher pour courir, il faut vraiment se poser la question, qu'est-ce qui fait qu'un jeune aujourd'hui il court quand il voit la police. C'est vraiment profond, c'est toute cette impunité autour de leur violence qui leur permet de taper quotidiennement, de violer les jeunes, de les humilier, voire de les tuer, et de jamais être jugé, de jamais payer le prix de leur vie. Je vais juste dire par rapport à certaines personnes qui ne connaissent pas et qui le jugent premièrement, c'est l'homme, c'était même le meilleur gars que je connais sur l'île. Je l'ai connu, ça fait 2 ans. On a fait des soirées de malades, on s'est amusé, ce genre de choses. J'ai voulu prendre une coloc avec lui quand il était dans ses phases descendantes. Et à cause de ça, il y a certains projets qui ont été morts, tout et tout. Tout ce que je veux aujourd'hui, c'est savoir dans quelles circonstances et comment il est parti, au moins pour pouvoir faire mon deuil et pouvoir le dire adieu. Aujourd'hui, on est présent à la communauté Adama. Pour nous, c'est important de venir soutenir la famille, soutenir ce combat, parce que de plus en plus de jeunes sont malheureusement tués par la police. Donc aujourd'hui, on est là à Lille pour porter le combat avec eux et demander une justice et vérité. Nous, ça fait 1 an et demi qu'on se bat pour Adama, 1 an et demi qu'on demande une justice, on réclame justice et vérité. Parce qu'il faut savoir que quand il y a un crime policier, on a l'impression que la justice nous est due. On va se battre pour faire ça. Et aujourd'hui, il y a un rassemblement qui est là. Donc, on vient donner de la force. C'est important parce que c'est un combat qui doit être porté par tout le monde. C'est un combat qui doit être unitaire et c'est un combat qui doit être national. Et on doit renverser ce système meurtrier qui tue les jeunes dans le quartier, où l'État est spectateur. Donc, il faut arrêter la police, il faut arrêter les gendarmes, il faut arrêter tous ces crimes dans nos quartiers. Donc, aujourd'hui, manifester à leur côté, c'est aussi porter le combat à Damas, c'est aussi le combat de toutes les autres. Moi, j'ai connu cet homme, on avait 6 ans, j'étais son pote d'enfance et j'ai appris sa mort sur la Voie du Nord. Et je veux vraiment que la justice soit faite et que les responsables soient punis. Même si ça va être compliqué et dur, mais j'espère savoir ça pour faire le deuil. Et en fait, ils étaient sur les lieux du drame le soir en fait, où ça arrivait. Mmh. Ils étaient présents pour une dispute dans la cité. Mmh. Et ils ont vu Selom, Matisse, et Ashraf et Aurélien. Ils ont été sur eux en sortant directement les matraques. Ça déjà, c'est inadmissible. Et nous, les violences policières, on en subit constamment au quotidien. On est constamment harcelés, ils nous courent après. Moi, personnellement, j'ai connu Selom il y avait 16 ans, jusqu'à son décès, qui est survenu le 15. Moi, j'ai lu sur la Voie du Nord, comme quoi on disait que c'était un dealer d'héroïne, alors que Selom n'a jamais touché à ça de sa vie, n'a jamais vendu ça de sa vie. Donc, moi, tout ce que je veux maintenant, c'est avoir la justice et que les personnes qui ont fait qu'ils soient plus là soient punies et payent pour ce qu'ils ont fait. Selom, c'était un très bon pote, on voyait souvent, on avait plein de points communs et tout. Et sur les violences policières, il avait déjà, bien avant le tragique accident qui s'est passé, il y avait déjà eu des soucis avec la police, on avait déjà parlé et tout. Mais quand j'ai appris sa mort, c'est mon pote qui m'a appelé pour m'annoncer sa mort. Et ça m'a tué, quoi. Et aussi, on est là aussi pour la vérité, pour Selom et Matisse, et pour dire qu'on en a marre aussi des violences policières et la façon dont ils nous traitent, ils nous interpellent, comme des merdes. Pour eux, on est de la merde, on est des racailles pour eux. Pour eux, quand ils nous voient, sur notre front, il est marqué racaille, il est marqué coupable. Même quand on n'a rien fait, ils sont là. On leur dit qu'on n'a rien fait, mais pour eux, on est obligé d'avoir fait quelque chose. Et puis il y a plein de problèmes, c'est aussi le faciès, c'est la couleur de peau, l'origine, comment tu es habillé, comment tu marches. On est ciblé, la police nous cible dans les quartiers. Vendredi 15 à 21h, donc les jeunes ils sont là, on est passé devant la cité, et ils traînaient devant la cité, je sais pas ce qu'ils faisaient, on sait pas, on s'en fout un peu. Mais la police arrive, alors ils disent les UTEC, mais donc c'est l'ancien nom des BST. Donc c'est la BST débarque et leur cours après. La cité c'est un cul-de-sac, donc le seul moyen de sortie c'est le mur qui est derrière. Ils escaladent le mur, derrière c'est la voie ferrée.
Donc ils glissent sur le côté et ils voient pas le train qui arrive, le train klaxonne et là ils essaient de se mettre encore plus sur le côté, mais avec la vitesse le train les aspire, les happe, et il y en a deux qui meurent. Il y en a un qui meurt sur le coup, c'est l'homme. Mathis il meurt le lendemain. Et Aurélien et Ashraf, ils sont blessés, hein. Chacun un traumatisme crânien, et Aurélien, il a un déplacement du bassin. Bah, moi, c'est Emefa, donc bah, je suis la petite sœur de Selam. Bah, en tout cas, dans le quartier, ça se passe pas très bien, parce que bah, les policiers, ils ont dit le train 1, les jeunes 0. Enfin, c'est provocation sur provocation en ce moment. Ils se pavanent avec les armes, ils se dandinent, enfin, c'est vraiment de... Enfin, ils se moquent beaucoup. Et par rapport à moi, les dernières semaines, c'était pas trop trop facile. On reste fort parce que maintenant on a un combat, donc de là, ça nous permet de tenir debout. Mais sinon, je pense que sans ça, surtout mon père, ce serait pas pareil. Bah, déjà, mettre des visages sur les personnes qui poursuivent mon frère et ses amis, et bah, les punir, tout simplement. Ils ont la rage, parce que bah, d'où le fait qu'ils avaient brûlé des voitures, tout ça, juste après, parce qu'ils n'ont pas trop d'autres moyens de s'exprimer. Et ils ont la rage. C'est tendu, c'est très 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 tendu. Puis les flics, ils surveillent beaucoup Ashraf et Aurélien devant chez eux, enfin, ils les attendent devant chez eux, tout ça. Ils ont du mal à sortir. Ils sortent que véhiculés, sinon ils risquent d'avoir des contrôles et ça peut mal se passer.